des pubs et des chatards le soir. J'avoue, je t'ai laissé en lien, chaque petit bâtard. Avec elle on parlait mariage, mais j'ai rencontré Mélissa, Jasmine, Adèle, Julie et cette grosse pute de Cassandra. En vrai va pas à l'école, fais plutôt comme le padré. Tu pourras taper petit Escobar pendant la récré. On voulait pas de toi, même on se permettait performant. Ta mère buvait et fumait en guise d'avortement. Faut pas que tu sois gentil, de façon ça sert à rien les amis. L'avenir t'appartient, t'auras que la gloire en ta compagnie. Fais toujours de spi quand t'es pas sûr de la qualité. On reconnaît la saleté à son odeur. Mon plage est tagué sur les murs de toutes les cités. Un jour, petit prince deviendra l'empereur. Je peux me faire buter d'un jour à l'autre, pour finir mes jours en prison. Faut que tu prennes soin du royaume, tu sois digne de ma succession. Mourir tes beurres et ta foison, pratiquer le sale avec passion. Faire du mal aux autres et ne jamais demander pardon. Je peux me faire buter d'un jour à l'autre, pour finir mes jours en prison. Faut que tu prennes soin du royaume, tu sois digne de ma succession. Mourir tes beurres et ta foison, pratiquer le sale avec passion. Faire du mal aux autres et jamais demander pardon. J'aurais aimé te voir grandir et t'apprendre à faire du sale. C'est pas notre truc de sourire, ma mère, je suis désagréable. Faut profiter des autres et abuser de leur gentillesse. Traiter les meufs de salopes pendant que tu les caresses.
être abouti à cette histoire me dépasse comme croire. Ce soir-là, c'est pas moi qui ai mal agi, je n'ai pas tiré. Pète une requête à l'IGS pour enquêter sur le PJ. Monsieur, arrêtez d'induire en erreur les enquêteurs. Des questions, monsieur le procureur. Madame la présidente, allons-nous laisser l'accusé remettre en question le travail fait par les inspecteurs. Surtout pas, je demande le premier témoin de l'affaire. Je vous fais entrer à la barre, monsieur le commissaire. Il devait être 22h30 quand l'appel radio nous a signalé notre crise en mer en mai au 80 rue de l'Impasse. On n'était pas très loin parce qu'on était sur garde depuis 9 mois déjà pour des trafics de stupes. On attendait juste le flagrant délit, un truc trop à se mettre sous la dent. On n'avait rien de sérieux, madame la présidente. Très bien, procureur, des questions? Non? Bon, maître, c'est à vous. Des questions? Monsieur le commissaire, vos états de service sont impressionnants. Vous ne comptez plus les arrestations seulement? Une affaire fait tâche dans votre dossier, accusation de corruption que l'IGS finit par classer. Si moi, filer mon client, vous dites vous-même aucun résultat, rien à se mettre sur la dent. Peut-être que comme mon client l'indique, il a mis fin à ses anciennes activités illicites. Ça n'a rien à voir là, de quoi vous parlez? C'est mon procès qu'on traite ou quoi? Je vois pourquoi on se trouve au passé. On est venu comme je vous l'ai dit, moi et mon collègue, après avoir enfoncé la porte. Et ce qui s'est passé est écrit dans mon rapport. Monsieur le commissaire, veuillez garder votre calme, évitez tout écart. Je vous rappelle, vous êtes à la barre. Faites entrer monsieur Marc Grégoire pour moi dans cette affaire, c'est à vous. Madame la présidente, pour être franc, ça fait une heure que je suis assis dans le box. J'écoute une connerie de Xé Caillon qui me fait passer pour un tox. Soir là, je me rappelle pas trop des faits, juste que c'était pas drôle. Et que c'est pas son qui m'a tiré dessus pour notre acte. Quelle éloquence, monsieur McGregor. Et nous ne sommes pas au théâtre. Et à la barre, il faut être fiable. Et le prochain témoin n'accuse pas, il donne des faits. Vous faites plus appeler pour qu'il puisse témoigner. Ce putain de gardien, les dames. Sans pour certains, ça fait une drame. Je passe plus le cul de concierge, planqué derrière un jus, d'un loin d'être vierge. Mon casier porte le poids de mes erreurs. Ce corps écrasé, des fleurs, des sens, ils sont bien mûres. J'ai rayé ma tête. Trois la tôle m'a rassasié. J'étais cool avec ma môme quand j'ai vu l'armée sa tête. Un brasier dans ses yeux, j'imagine la suite. Ça pète dans tous les sens, ça sent la poudre, les substances illicites. Mais en parlant de substances, êtes-vous toujours alcoolique? Désolé, ma dernière cuite étant en 98. Cet enfoiré nous a frôlé, moi et la petite, il pissait la rage. Vous êtes dans un tribunal, surveillez votre langage. Un nouveau témoin devrait intervenir. À la barre, s'il vous plaît, je demande, pas chier. Écoutez, moi j'ai tout vu, j'ai tout entendu. Je vous dis tout, pas de malentendu. Ces jobs sont des ripoux. Au départ de l'histoire, j'étais chez McGregor. Mes pères, il était tard et d'un coup ça frappe fort. Mon pote s'agite, s'excite, hésite à aller voir. Une fugère de me glisser dans l'armoire. Et l'entrouvert lui a ouvert. Le mal est insolent, violent et muni d'un revolver. Mon confrère s'explique, essaye de le calmer. Mais très vite, le jeune homme a commencé à s'emporter. Puis soudain, la porte claque. Des policiers débarquent, un cœur craque. Et là, le crack, les nerfs craquent, tout part. L'homme se tient la tête, regrette ce qu'il vient de faire. Ma tailleur reste de fer et mon pote est par terre. Attendez, attendez, un coup pas. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, tout ça, tout ça. Et je l'ai vu et entendu. Comme je vous vois, comme j'ai vu ce policier prendre le brolic à Mac Tailleur, je l'ai vu et entendu parler à petite voix, parler de balistique et comploter pendant des heures. Merci. Bon, nous allons poursuivre et passer aux réquisitions. À la barre, monsieur le procureur, c'est à vous. Mesdames et messieurs les jurés, nous avons là une affaire simple. Une histoire de ghetto, de plus qui vire au drame. Et aujourd'hui, à la barre, la routine s'installe. Que dire de plus? Un soir, il devient fou, il sort avec une arme. Et un témoin l'a vu. Vous l'avez entendu, à n'en pas douter, vous y avez cru, l'accusé a été reconnu. Le témoin était là avec son enfant. Lorsqu'il croisa l'accusé armé d'un revolver menaçant, criant de venger la victime. Peu de temps avant le crime, devant un père et sa fille. Peu de temps avant le crime, mais l'accusé ne s'arrête pas là. Le commissaire vous l'a dit sous serment, il a tiré. Avec sa rage mortelle, il a tiré. L'accusé avait fermement l'intention de tuer. Il est coupable, mesdames et messieurs les jurés. Si cette bombe à retardement dans les rues serait insensée, il ne vous laissez pas abuser. Les témoins de la défense sont tous du même quartier. Ils jouent à l'arme à feu, grandis en passe, c'est pourquoi leurs récits ne sont pas dignes de foi. Et n'oubliez pas l'accusé multirécidiviste agressif, un délinquant qui joue avec la justice. Afin de savoir vos enfants en toute sécurité, cet homme se doit d'être enfermé. Madame la présidente, je requiers une peine de 8 ans d'emprisonnement et laisse la parole à la défense. Liberté, égalité, fraternité, messieurs les jurés, pourquoi personne n'y croit plus dans nos cités? Égalité des chances, une utopie, car on n'aime pas la même vie. Du 16e à Saint-Denis, il faut l'avouer, n'accentuons pas les injustices au nom de la fraternité. Refusons d'être complices.
de l'assassinat d'une liberté. Le tout c'est d'admettre qu'un homme peut changer. Notre société ignore-t-elle le pardon? Peut-on condamner sur de simples présomptions? Notre police n'est pas infaillible. Dans cette affaire, il paraît clair qu'il y a de la peur dans l'air. Alors qui va-t-on condamner? Le vrai coupable, ce noir au lourd passé. Le dernier témoin est formel. Le crime n'a pas de couleur ni d'origine. Vous êtes informé. Merci maître, maintenant passons à l'accusé. Si celui-ci a quelque chose à ajouter, sachez qu'après nous délibérerons, monsieur Socrate. Faites preuve d'indulgence, le commissaire vous a menti. T'en as gros sur le cœur quand tu n'éduques pas ta fille, madame la présidente. J'avais 16 ans quand j'ai morflé, quand je surfais sur des vagues où des frères se sont noyés. J'ai la musique pour évacuer ma rage de vivre, c'est ma psychanalyse, celle qui m'analyse quand je vais mal. Madame la juge, je suis juste un beau coupable, un repris de justice au casier redoutable. Madame les rafales n'accouche que des cadavres, dire du procureur, je suis trop menaçant pour qu'on me relâche. Je suis innocent, messieurs les jurés, s'il vous plaît, soyez clément. À cause de mon lourd passif, vous oubliez que les hommes changent. Monsieur Socrate, après délibération pour tentative de meurtre, avec préméditation sur la personne de monsieur MacGregor, tout a été prouvé, vous êtes reconnu coupable à l'unanimité. Raconte là! Mais putain, là j'étais en train de m'en sortir! Mais va te faire foutre, c'est quoi cette justice de merde? Mais fais quelque chose, ce baveux là! Mais qu'est-ce qu'il y a?